Bien-aimé, grâce mon Dieu avec nous. Amen. Grâce mon Dieu avec nous. Amen. On nous dit ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et maintenant, c'est un gros grâce pour que nous capables ensemble avec vous, pour que nous capables chanter, adorer et aussi et en présenter le message de la parole de Dieu. Et en, avant que nous allions plus loin, nous allons nous relire encore. Nous allons relire ce passage-là. Encore, nous allons Jean 14, versets 1 à 6. Jean 14, verset 1 à 6. Je crois que c'est un passage qui est très connu. Et je crois que la majorité de nous là, nous sommes en juin déjà. Mais qui est-ce qu'il dit? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous avons un sujet que nous avons traité avec vous, qui dit comme ça que un Dieu exclusif dans un monde inclusif. Un Dieu exclusif dans un monde inclusif. Et nous t'aimons pour capable payer attention. Parce que ça, c'est une parole révélée. Parce qu'il y a la parole inspirée et la parole révélée. Ça fait que me dit ça, c'est parce que un dans fin mois d'août, dans fin mois d'août là, il est fini après ça, moi couché et pendant que m'bra lever pour mal travail, il est fini et dans moins ouais moins couché sous cabane, il est fini dans pendant que me couché parce que là au coucher, on connaît que où c'est tifré la mort, on va rendre ça qu'a passé, comprends? On va rendre ça qu'a passé. Il est fini, c'est ainsi que moi me coucher et les finir après ça moi ouais esprit moi détaché de corps moi les finir pendant que me coucher comme ça et les finir moi ouais esprit a rentré dans moi-même et les que moi ouais esprit a rentré dans moi-même et les finir après ça dès comme chaque parce que ça c'est l'âme et le corps comme chaque et les que moi chaque et les fini en a moins ouais que en a m'a parlé et ça cap saute dans bouche moi c'est une seule parole ça que nous joignent dans le verset 6 qui dit comme ça que Jésus lui dit je suis le chemin la vérité et la vie. Dès que moi fin levé comme d'habitude, moi prier mal travail. Et les filles après ça me dit bon, l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Numéro 1. Après ça me dit numéro 2, qu'est-ce que moi le dit dans verset ça? Parce que c'est un verset pas. Là le dit c'est un verset populaire. C'est un verset que tout le monde connaît. Tout le monde connaît déjà que Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
Et parfois, nous sommes capables de comprendre que le prédicateur fait référence avec verset ça. Et non, parfois, sans que vous pas même gagné ni dans notre, sans que vous pas même gagné ni dans données, il est fini après ça. You just pop it out. You just come out. Après ça, je me dis, bon, comment je vais faire préparer le message ça? Elle est fini après ça, je me dis, qui ça que je vais dire dans le message ça? Et c'est ainsi que, mes bien-aimés, étant comme nous-mêmes, nous limités, mais bon Dieu lui-même, lui, illimité. Et là que qu'on y a là, mal prié, je me dis, ok, bon, c'est un message de Dieu. Je me dis, bon, qu'on y a là, quittez-moi, essayez, mettez-moi point de façon pour que je sois capable de préparer le message là. Et c'est ainsi que, là que je commence à préparer le message là, je sentis l'Esprit bon Dieu avec moi, et à guider-moi pour que je sois capable de préparer le message là. Et la fin dernière, nous sommes allés du côté de New Jersey, moi-même, avec toute la famille Victor, nous sommes allés dans une conférence que certaines Baptist Theological Seminary a fait. Et pendant que je suis sur route là, il est fini avec ça, et le pasteur Woodley t'a conduit. Et I don't know, out of nowhere, pendant que je me levais les yeux, moi, et sous le bord gauche, moi, pendant que je me levais les yeux, moi, sous le bord gauche, il est fini avec ça, moi, ouais, un gros signe. Un gros signe. Je ne sais pas si c'est dans là ou bien si c'est dans là. Moi, un gros signe. Ça ne va pas à l'œil nu comme ça. Il est fini, il est que moi, il est. Qui ça que moi, il a donné? Moi, ouais, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Après ça, me dit, qu'est-ce que ça signifie? Et là, une semaine après, moi, il est pasteur Victor. Je me dis, pasteur Victor, pendant que nous étions en route là, nous t'avons conduit, je me dis, est-ce que tu es ça? Est-ce que tu es signe ça? Pasteur Victor dit, moi, non, il n'est pas de lui. Après ça, me dit, ok. Je me dis, peut-être. Je dis peut-être c'est une approbation de ça que bon Dieu est en tévelé pour moi, de façon pour que le capable confirmer le message en que, et en, que pour mal prêcher ma terre. Sujet a dit un Dieu exclusif dans un monde inclusif. À bien comprendre, Jean 14, il faut que vous puissiez remonter dans Jean chapitre 13 avant pour venir comprendre qui ça que Jésus a dit dans le premier verset. Dans Jean chapitre 13, Jésus-Christ parlait avec monsieur, avec les douze. Ça que dit monsieur yo, li bay monsieur yo, en a trois messages qui ont ti gens difficiles. Message là, c'est du fait que Jésus dit au comme ça que en a gagnon nan nou k'ap levé contre moi. Gagnon nan nou k'ap dénier moi. Elle est fini c'est ainsi qu'on a là gagné un choc nan mitan yo. Et dans même Jean chapitre 13 là, Jésus continuait encore. Jésus vient dire comme ça que on va pas avec nous pour tout le temps. On va partir, on va aller. Et les fini après ça, monsieur connaît que yo gagné un Jésus avec yo pour un bon nombre de temps. Quand il mais Jésus dit comme ça que on va pas avec nous. On va aller. Et on est capable de dire prédicateur groupe là, à savoir Simon Pierre. Simon Pierre dit, mais quand on va aller, Jésus dit comme ça que, écoutez, moi aller, ou pas capable de suivre moi, ou pas capable d'aller, qu'on y a là. Jésus dit comme ça que, on va aller après. Qu'on y a là, ça c'est le deuxième choc qui passait dans Jean chapitre 13. Et troisième choc là, c'est du fait que Jésus dit avec Pierre, il dit Pierre que on va renier moi trois fois avant que le coq chante. Ah, bagage a troublé Pierre.
Bagala si tellement troublé Pierre, Pierre dit qu'on n'a pas gagné pareil comme ça même. Ça a levé en sorte de trouble dans le temps, monsieur. Ça, les baillots ont sens d'insécurité, les baillots ont sorte de frayeur. C'est ainsi que qu'on y a là, à cause de ça qui est passé dans Jean chapitre 13, qu'on y a là, Jean chapitre 14, vient à commencer comme ça. Dans Jean chapitre 14, nous voyons que Jésus a dit comme ça que ne vous troublez point. Ça veut dire que pinga nous troublez nous de ça que nous sommes dit. Pinga nous troublez nous de ça qui sont passé. De nous qui gagne dans mes temps nous. Et il est fini après ça, Jésus dit comme ça que OK. On va aller mal préparer en place pour nous. Et là que je finis de préparer place là, c'est ainsi que je vais retourner pour me venir capable de chercher. Je veux que Thomas lui-même, qui rend nous un grand service, Thomas a demandé avec Jésus. Et non, mais côté chez Marie, qui bon pour nous suivre, qui bon pour nous aller. Et c'est ainsi que Jésus dit avec Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Passage ça, matin, mes bien-aimés, c'est un passage d'exclusion. C'est-à-dire que c'est un passage qui gagne force pour que les capables éliminer tout l'autre monde qui est à côté. C'est un passage d'exclusion. Ou bien tout, c'est un passage qui est capable de radier tout l'autre. C'est un passage. Et non, les que yo t'a traduit, les que Jérôme t'a traduit passage, ça, c'est un passage qui débat Jérôme en paquet de problèmes. Dans le sens parce que nous voyons que trois mots commencés par V, l'un de l'autre. Le premier mot c'est via, le deuxième c'est veritas et le troisième c'est vitam. Ça veut dire que dans la Bible, par contre, Pierre, par contre, l'autre côté qu'on joint ça encore. Jérôme dit comme ça que, ok, comment fait que nous gagnons trois V, ça au l'un de l'autre, à savoir la vie, à savoir que la vérité, à savoir le chemin. C'est un passage qui exprime une sorte d'arrogance de la part de Jésus, comme on dit les autres, parce que ils disent ça que Jésus trop arrogant. Comment fait que son seul chemin qui gagne, comment fait son seule vérité et aussi comment fait son seule vie? C'est un passage qui rejetait toute autre philosophie, qui rejetait toute pensée religieuse, qui rejetait tout raisonnement humain ou bien toute l'autre alternative que l'autre monde est capable de venir présenter. C'est un passage qui est unique en son genre, qui est un passage qui exprimait une vérité profonde en dépit des protestations, en dépit de revendications, en dépit de murmures, en dépit de mécontentement. Nous voyons que Jésus-Christ pas bacop. Malgré des protestations, malgré des revendications avec ça que le dit, nous voyons que Jésus-Christ campait derrière ça que le dit, à savoir, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est une déclaration qui ébranlait toute notre religion, yo, n'entend ça. À savoir, le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, et plus tard, l'islam et le mormonisme. C'est une déclaration, nous joignons, que qui est le point central de la théologie chrétienne. Parce que nous ne pouvons pas passer à l'autre côté encore. 11 ans avant, on y a en 2004, retiré 11 ans la donnée. Question ça a été posée avec un pasteur Joel Osteen par Larry King.
Larry King t'a fait une interview avec un pasteur Joël. Lui demandait pasteur Joël, est-ce que c'est chrétien seulement Cabral dans le ciel? Donc, on va aller à la review de vidéo, in the interview. Pasteur Joël Austin dit, monsieur Consacre, elle n'a pas connu. Parce que il y a un paquet de monde qui est très religieux, il y a un paquet de monde qui est bon dans l'autre religion. Yo. Après ça, M. Bayo, exemple, il dit comme ça que là, comme tu es petit, papa, moi, tu es mené moi aux Indes. Et moi, tu es rencontré avec un paquet de l'autre monde. Et il dit comme ça que moi, ouais, mon Zaro, il est très sincère, il est très religieux. Après ça, Larry King retourne encore, Larry King dit comme ça que est-ce qu'on croit que c'est chrétien seulement qui va dans le ciel? Monsieur dit, ah, je ne pas voulu entrer en trop profondeur. Monsieur dit, vous savez que même moi, je crois que l'autre monde, un bon Dieu est capable de prendre pour que vous capable d'aller dans le ciel. 8 ans plus tard, 8 ans après, nous venons que gagner un pasteur qui est pasteur Jeffers, pour le monde qui content de monsieur. Monsieur, c'est premier pasteur dans l'église en Dallas, étant au Texas. C'est premier pasteur, la Baptiste. Monsieur écrit un livre. Dans le livre que monsieur écrit, monsieur dit comme ça que livre monsieur a relé, Not all roads lead to heaven. Ce n'est pas tout chemin qui mène dans le ciel. Dans le livre, ça, nous voyons que monsieur. Il mentionnait 4 groupes croyances qui gagnaient. Il mentionnait 4 idées différentes sur le chemin, comment pour le monde capable d'aller dans le ciel. Premier groupe monde que monsieur parlait de dans le livre, il parlait d'un groupe monde qui relait universalisme. Universalisme, il croit que, ok, bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est bon. Bon Dieu, c'est le Dieu de l'univers. Bon Dieu, pas méchant. Bon Dieu, pas créé nous. Bon Dieu, pas qu'à voyer pièce monde dans le ciel. Parce que bon Dieu, pas qu'à voyer pièce monde dans l'enfer. Parce que Dieu est bon. C'est comme ça que monde a eux-mêmes, ils croient. Gagnez un deuxième groupe monde que monsieur décrit dans le livre là. C'est un deuxième groupe monde qui relève le pluralisme. Le pluralisme, non. Ils disent comme ça que monde a c'est monde qui est religieux. Là que nous parlons de religieux, à savoir que Mounzao, quelque soit dans n'importe religion que Mounzao sorti, il fait comprendre que le ciel est réservé seulement pour Mounzao qui est religieux. Dans le troisième groupe Mounzao que il décrit un groupe Mounzao qui relève inclusivisme. Inclusivisme, ça veut dire que Mounzao croit que Jésus-Christ mourit. Et dans sous la croix, yo croit que yo capable sauver par le sang de Jésus. Mais cependant, moun sa yo, yo croit tout, yo dit comme ça que moun qui pas tande l'évangile yo, moun qui nan coin côté que pas gain chance pour tande l'évangile, yo dit comme ça que yo croit que bon Dieu a obligé entrer moun sa yo dans ciel parce que bon Dieu pas un bon Dieu qui méchant. Ça veut dire que bon Dieu a inclus moun sa yo. Et cependant, les décrit quatrièmement un dernier groupe monde qui relève exclusivisme. Exclusivisme, à savoir que le salut est réservé seulement que monde cap manifester, que monde cap obéir, que monde cap suivre, que monde qui croit que c'est le sang de Jésus seulement qui est capable de sauver yo, c'est monde seulement qui lavé dans le sang de l'agneau, c'est monde seulement que péché yo pardonné, c'est monde seulement qui croit à la croix et ensuite qu'on y a la monde capable aller dans le ciel. Amen. C'est groupe monde que monsieur relé exclusivisme. Frère, on nous essayer comprendre. Thomas a posé Jésus question ça. Si que nous sommes capables de reformer la question, hein? Nous sommes capables de dire comme ça que Jésus t'a dit avec Thomas, je vais vous montrer le chemin.
Ça veut dire que Jésus t'a dit à Thomas, qui te montre le chemin. Jésus t'a dit avec Thomas, qui te montre où, qui bon pour aller. Nous voyons que Jésus n'a pas dit Thomas bagay ça. Jésus-Christ n'est pas seulement le chemin, Jésus-Christ aussi est la destination. Nous voulons pour capable mettre un peu l'accent sur ça. Ça veut dire, là qu'on peut aller dans la route, ou à suivre la route là pour jusqu'à ce qu'on arrive. Mais Jésus-Christ pas seulement la route là, mais Jésus-Christ c'est le point d'arrivée. Comment que nous fait dire ça? Nous dit ça, c'est parce que là que nous allons dans Jean 14, le verset 8, nous voyons que Philippe posait Jésus en question. Il dit, Jésus, seulement montrez-nous papa. Et les fini après ça, qu'on y a là, nous va satisfaire. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus dit avec Philippe, pour d'être avec nous. Nous pas connaissons si papa dans moi-même et moi-même moi dans papa tout. Avant ça, là que nous allons dans Jean 10, verset 30, nous voyons que Jésus-Christ dit avec les disciples, est-ce que nous ne connaissons pas que moi-même avec papa fait un seul? Moi et mon père sommes un. Après, nous voyons que dans Jean 8, verset 19, nous voyons que Juifio dit avec Jésus-Christ, montrez-nous papa. Parce que nous ne connaissons pas papa. Ou toujours parler de papa, montrez-nous papa. Parce que, je dis comme ça que nous avons Abraham pour père. C'est Abraham que nous connaissons. Mais nous-mêmes, nous ne pas connaissons. Et c'est ainsi que Jésus répond. Jésus dit comme ça que, dans le verset 58, dans Jean chapitre 8, nous voyons que Jésus dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est à savoir, mes bien-aimés, positionnellement parlant. Jésus-Christ, il était un roi avant Abraham. Ça veut dire que dès que Abraham a rencontré Jésus-Christ en roi, Abraham content. Ça veut dire que, mes bien-aimés, Jésus-Christ sorti en haut, il passé sous la terre et l'a retourné en haut encore. Non seulement Jésus-Christ est le chemin, Jésus-Christ aussi est la destination. Ça veut dire qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucune route à y aller. Pas de côté qu'on est capable d'aller sans que on ne pas passer par Jésus-Christ. Comprenez bien. Plusieurs, en paquet de monde, ils prétendent être le chemin. Par exemple, nous voyons que le pape, dans le catholicisme, il y a un paquet de monde connaît que c'est par le pape pour passer. Parce que le pape est le vicaire ou bien le représentant. Le représentant de la religion catholique pour que le capable mène le monde dans le ciel. La fois dernière, nous voyons que Dalai Lama, il était dans le parc là. Nous voyons que Tegui a fait de près de plus que 18 000 bouddhismes. Qui t'a allé pour te réunir, juste pour être capable, ouais, un homme comme ça. Parce que lui représentait les bouddhistes, spécialement les tibétains, à savoir mon Tibet. Nous voyons que plus tard, Mohamed lui représentait les musulmans. Et le nom de Mohamed, lui, c'est tellement fragile. On ne peut pas même citer non ça. Facile. Comprenez bien que en 1988, il y a un homme qui relève Salman Rushdie. Monsieur écrit un livre concernant le Coran. Livre monsieur écrit, livre la relève The Satanic Verses, les versets sataniques. Pour le monde qui ici, nous capable songer ça. Le Salman où j'ai fini d'écrire le livre ça, nous voyons que il rend campé, il rend dit comme ça que il bail 1 billion de dollars
pour monde qui est capable de touiller, monsieur. C'est ici que nous voyons que Salman Rushdie, les cadres fongeants, ils prennent refuge en Amérique. Monsieur vient ici parce que la religion musulmane levait contre lui pour touiller. Parce que monsieur dit comme ça que bagaille qui dans livre ça, c'est bagaille Satan que yo. Rien par exemple arrivé, monsieur. Mais monsieur toujours gain attaque contre lui. Cependant, en 1922, tout l'autre jour là, deux ans de cela, nous venons que gain un petit nom, et ça passe étant Albany, upstate New York, qui vini, qui attaque monsieur, et qui manquait tout monsieur, pendant que monsieur parle en présentation. Pour quelle raison? C'est parce que monsieur t'a dit, livre ça. C'est verset satanique. Ça veut dire, pour faut comprendre que monsieur Sayo, ou pas même canon, mais nous même parce que yo représenté maître religion. Et yo voulait faire comprendre que c'est yo même qui a mené le monde dans le ciel. Frère, maintenant, nous voulons faire comprendre que Jésus-Christ est un Jésus-Christ exclusif. Pas gagner deux chemins en dehors de Jésus-Christ. Au moment où on doit fâcher, où on doit parler, mais ça qu'a dit, où on doit parler, mais ça qu'a fait là, mais qu'un seul chemin. Pas gagner deux chemins. N'a pas comprendre que dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, tu as gagné deux couvertures dans Genèse. Dans Genèse chapitre 3, nous voyons que côté que Adam avec Ève là que fait fin péché, nous voyons que monsieur Damio, il était venu avec une couverture. Il était prend feuille bois pour que il était capable couvrir yo. Si que vous voulez pour nous comprendre, si que couverture ça, il était suffit pour me Damio, pour monsieur Damio. N'a pas joint que nous madame gagner Genèse chapitre 3 le verset 21. Parce que dans Genèse chapitre 3 verset 21, nous voyons que puisque Genèse chapitre 3 7 les fait les tomber, ça veut dire que bon Dieu pas t'accepter lui. Nous voyons que qu'on y a là bon Dieu vini qu'on y a là les provide une couverture pour monsieur Damio. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que dans la première couverture là, c'est lui-même que Adam avec Ève, lui-même, il était venu avec lui. Première couverture ça, lui représentait la couverture humaine pour que il était capable représenter pour que il capable aller bon côté mon Dieu. Première couverture que Adam était venu avec lui, ça veut dire que c'est tout ça que l'homme capable fait pour que il était capable couvrir péché lui. Première couverture, nous voyons que lui représentait les raisonnements, leurs meilleures pensées, lui représentait leurs meilleures confections. Première couverture, ça lui représentait toute religion que lui-même était capable de gagner, toute spiritualité, lui représentait de le meilleur de ça Adam avec Ève était capable d'offrir. Si ça te suffit, nous voyons que pas jamais gagné en l'autre couverture que bon Dieu t'a pas le bail dans Genèse chapitre 3 le verset 21. Si ça t'est satisfait avec demande de Dieu, nous voyons que Dieu pas jamais vini pour que tu es capable bail Adam à Ève en l'autre couverture. C'est parce que ça pas satisfait bon Dieu, ça pas bon Dieu pas content qui fait que vin gagner un sacrifice et avec sacrifice là, nous voyons que bon Dieu t'est bail en couverture. Qui était pour protéger non seulement le corps, mais aussi, mon Dieu, t'es pas en couverture pour que tu es capable de protéger Namio. Et à partir de cela, nous voyons que bon Dieu t'a sauvé Adam à Ève à partir de cet sacrifice. Frère, maintenant, deuxième sacrifice là, deuxième couverture là, c'est lui-même qui est meilleur. Bon Dieu, nous voyons que libère Adam avec Ève le meilleur de ça qu'elle t'a gagné. Bon Dieu, libère Adam le salut. Bon Dieu, libère Adam l'espoir
pour que Adam t'es capable de vivre. Parce que sinon, si Adam t'est avec couverture, ça a été gagnant. Nous voyons que Adam t'a mouru dans le péché et Adam t'a perdu. Ça, c'était un sacrifice exclusif. Ça veut dire que pas de plusieurs mondes là-dedans. Pas de deux mondes, pas de trois. Ça, c'est un sacrifice que bon Dieu seulement t'a opéré. Il n'a pas demandé conseil dans mes anges, il n'a pas demandé conseil dans mes archanges, il n'a pas demandé conseil dans mes ministres. C'est seulement les sacrifier. Petite-li, depuis dans Eden. Et ensuite, il vient, il voyait petite ça, qui était sacrifié depuis en Eden. Pour que le Konya soit capable de descendre sur la terre et à partir de cela, pour que le capable bâle l'humanité. Et il dit comme ça que moun qui croit dans lui, Konya là, il n'a pas perdu encore, mais il va gagner la vie éternelle. Sacrifice ça, tu es fait sortir dans Eden pour que le capable vienne arriver sur la terre. C'était un sacrifice exclusif. C'est là que n'a pas le comprendre. C'est à travers de sacrifices ça que nous capables dire nous-mêmes qui païens que nous sauver. C'est à travers de sacrifices ça nous capables dire que journée jodia nous pas servir boko encore. C'est à travers de sacrifices ça nous pas prêler boko papa encore. C'est à travers de sacrifices ça qui vient faire que qu'on y a là que nous est lougarouyo pour y a nous ca garder au danger. Qu'on y a là, nous pas bien encore. Qui fait que qu'on y a là, nous pas mettre mouchoir trois couleurs sous nous encore. Nous pas mettre boule en bas tête nous. Parce que nous sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Parfois, nous voyons qu'en décembre, un paquet de monde. Si vous pas voyez y aller. Parce que c'est un contrat avec le diable. Faut aller pour renouveler le contrat de façon pour capable vivre. C'est ça que notre tête mon yo. Mon a travaillé bien dur ici, levé bon le travail et les fini après ça, coup novembre décembre rivé, faut qu'on coupe pour le voyage Haïti. Parfois on a levé, on a out of nowhere, vous allez au fond mal Haïti. Ça va régler. Oh don't toi, il y a bien OK. Et vous dans mon aller dans cache-cache une colali. L'albéen. Parce que mon son monde qui vit sans Dieu. La vit sans espoir. Il mettait tout espoir li dans ça que on l'homme capable faire pour lui. Si mes bien-aimés vaudou, si mes bien-aimés boko, si mes bien-aimés toute bagarre qui a passé droit le Haïti yo, yo était capable sauver nous, c'est pas là que nous t'avions encore. Mais de nos jours, son seul bagage que Haïtien a besoin. Haïtien a besoin de Christ. Elle a besoin de Christ d'autant plus pour que la vie soit capable de changer. Amen. C'est ça qui passait. Parce que, à travers le sacrifice, mes bien-aimés, nous vivons libres. Nous pas de monde encore. Nous ne pas renouveler le contrat encore. Nous ne pas marcher avec vieux mouchoir dans la poche nous encore. Nous ne pas bénir encore. Parce que nous renouveler dans Christ. Frère, matin, Jésus-Christ, c'est un Jésus-Christ qui est exclusif. Parce que, comment nous fait dire ça? C'est parce que il dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 13 avec verset 14. Il dit comme ça que entrez par la porte étroite. Si qu'elle dit pour entrer par la porte étroite, ça veut dire que il y a une autre route, il y a une autre porte qui est bien large. Il répétait lui dans Luc. Dans Luc chapitre 13 verset 24. Il dit comme ça que efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il dit comme ça que car beaucoup chercheront à entrer et ils ne pourront pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a cherché pour entrer. Mais il n'est pas capable d'entrer. Parce que il n'y a pas gagné le vrai Dieu.
Le Dieu qui existe en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Je pas gagné. Vous pouvez comprendre que les autres religions dans le monde à chercher mon Dieu. Les qu'on aller pour prêcher mon évangile, on dit mon nom, est-ce qu'on croit dans Dieu? Oh yes, I believe in God. What God it is. Ou t'as dit mon nom, qui bon Dieu a yé? Mon nom dit, I just believe in God like you. Sometimes. Mais bien aimé, il dit que un pile mon a cherché. Mais ils n'ont pas capable d'entrer. Parce qu'il y a un seul chemin. Les autres chemins, ils n'ont pas mis nos pieds à ce côté. Capable de dire comme ça que est-ce qu'on juif pas dans le ciel? Et toute question qui a passé dans la tête, est-ce que le monde est capable d'adorer? Parce que nous voyons que les juifs ont adoré 5 fois par jour. Nous voyons que non, les juifs ont adoré, ils ont prié 3 fois par jour. Les musulmans ont prié 5 fois par jour. Vous êtes capable de dire comme ça que est-ce que le monde est dans le ciel? On y a là, question capable de dire comme ça que dans qui ciel il va aller? Parce que qui monde qui met ciel là? Et par qui chemin qu'il a passé? Si il y a un seul chemin, c'est soit que ou wrong, you're right, ou bien they are wrong, I'm right. Si il y a un seul chemin. Et si pendant plus de 2000 ans, Jésus-Christ never back up, il va jamais retirer ça qu'il dit là. Ça qu'il dit arrêter là. Pendant plusieurs siècles, ça veut dire que jusqu'à de nos jours, en 2024, il y a toujours un seul chemin. Pas de deux chemins pour aller vers Dieu, que seulement le chemin par Jésus-Christ. Comprends bien, le monde païen, je crois, mais un Dieu. Mon Dieu que je croyais, c'est un Dieu imaginaire. C'est un Dieu de fiction. C'est un Dieu de make-believe. C'est un Dieu de pluralisme. C'est un Dieu exclusif. C'est un Dieu inclusif. C'est à savoir que ce n'est pas nous-mêmes seulement qui avons râlé. Il y a l'autre monde encore tout. Il y a l'autre équipe tout. Il y a l'autre monde qui est très religieux. Il y a l'autre monde qui est bon monde. Qui l'autre monde qui a un bon caractère. Mais bien-aimé matin, nous voulons comprendre que bon monde parle dans le ciel. Monde qui a fait bonnes œuvres parle dans le ciel. Monde qui a pratiqué l'humanité, monde qui avait dit que monde qui soucieux pour monde, monde qui même veut la vie même pour chien dans pays ça. Parce que vous t'a frappé un chien, mais bien-aimé, ou pas qu'on a combien côte toi passer. Il y a des gens qui dédient tout eux-mêmes pour une cause. Mais quelle est la cause? Mais est-ce que la cause-là a mené dans le ciel? Maintenant, mes bien-aimés, nous voulons comprendre que bon monde pas mal dans le ciel. Bon caractère pas mal dans le ciel. Bon gens pas mal dans le ciel. Ce sont seuls monde qui a parlé dans le ciel. C'est seul monde qui croit dans Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Parce que pas qu'il y a l'autre chemin encore. Si tu as un autre chemin, Paul t'a dit ça. Si tu as un autre chemin, Pierre t'a enseigné ça. Si tu as un autre chemin, Jésus-Christ t'a retiré Jean 14, verset 6. Il t'a mis un autre bagaille là-dedans. Mais pendant plus que 2000 ans, verset s'arrêtait là, je m'y ai. On a goumé contre lui. Il y a Goumen pour dire comme ça que comment faire son seul chemin? Goumen, revendiquer, protester, c'est toujours son seul chemin qui était. On ne doit pas d'accord, on doit rien, on ne doit pas rien. Mais toujours son seul chemin qui était, toujours son seul vérité, toujours son seul vie. Et tout net, ils ont inclus seulement que dans le nom de Jésus-Christ. Parce que comprenez bien que c'est dans le nom de Jésus-Christ seulement que nos péchés ont pu pardonner. Pas de monde qui a pardonné péché monde. Mohamed pas capable pardonner péché monde. Pas un musulman qui a pas pardonné péché monde. Pas un prêtre catholique qui a pardonné péché monde.
pas un chef hindou qui est capable de pardonner le péché du monde. Le péché de l'homme est pardonné seulement que par Jésus-Christ. Quelle que soit la revendication capable de faire, verset ça pas capable de déplacer. Verset ça arrêté là. Ou capable d'aller à l'encontre de lui-même. Ou capable de dire ça que on doit gagner bon dans le travail. Ou on doit gagner bon associé, ou on doit gagner bon boss. Ou on doit gagner good co-worker. They are so good. Sometimes you can do whatever you want to do with them. That doesn't mean they are going somewhere without Jesus Christ. Pas gagner le salut sans Jésus Christ. Pas gagner route à côté. Pas gagner route par voie. Pas gagner route par chemin. Que sans Jésus Christ, ma terre. On va comprendre que le vrai chrétien. Il croit dans un Dieu exclusif. Il croit dans un Jésus exclusif. Il croit dans un chemin qui est exclusif. Parce que nous pas croyons dans un bon Dieu qui est imaginaire, mais nous croyons dans un Dieu qui est réel. Nous pas croyons que bon Dieu ça dans le paganisme, mais bon Dieu ça qui bon que lié, nous voulons que bon Dieu ça habite dans le cœur des chrétiens. Bon Dieu ça n'est pas dans l'air. Même j'ai un grand paquet pour nous chercher bon Dieu dans l'air. Tant que bon Dieu, lui-même son Dieu dans l'espace. Bon Dieu pas arrêté dans l'air. Bon Dieu pas dans l'espace. Non. Là que nous allons dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Ésaïe 7, verset 14, il faut nous comprendre que ce Dieu-là, il est venu par terre, il a donné son nom, Emmanuel. Ça veut dire que dans Emmanuel, nous jouons que Dieu est avec nous. Lorsque que Esaïe fait prophétie, nous voyons que cette prophétie a accompli. Lorsque qu'on y a là, Jésus-Christ vini sur la terre pour vivre sur la terre comme un homme. Il dit que Dieu est avec nous. Ce même Dieu, nous voyons que c'est lui qui est le roi des siècles, l'immortel, l'invisible. À Jésus-Christ soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Nous ne servons pas un Dieu de l'air, non pas aussi un Dieu de fiction, mais nous servons un Dieu qui existe et qui vit dans le cœur des hommes, dans le cœur de tous ceux qui croient en lui. Frère, ce matin, dans Emmanuel, il est le Dieu qui est avec nous. Jésus-Christ est venu dans un monde barbare. Jésus-Christ est venu dans un monde cruel. Jésus-Christ est venu dans un monde sauvage. Traversant la Galilée, la Capernaum, la Samarie, la Judée, le Nazareth, la Pérée. Jésus-Christ est allé dans les contrées voisines de Zabulon et arrivé à Jérusalem, mangeant et buvant avec les pécheurs comme Zachée. Jésus-Christ a amené une vie nomade en prêchant la repentance à tous ceux qui croient en lui. Jésus-Christ est mort comme un malfaiteur entre les débrigands, ressuscité au troisième jour, vivant au siècle des siècles. Et avant de monter au ciel, il a ordonné aux disciples d'aller faire des disciples. Matthieu 28, 19 à 20, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Et je suis avec vous. C'est le Dieu d'Ésaïe 7, verset 14. Il dit, et je suis avec vous. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, c'est parce que Jésus-Christ vit. C'est la raison pour laquelle qu'il peut être avec nous tous les jours. Non seulement Jésus-Christ est avec nous, mais Jésus-Christ aussi est en nous. Jésus-Christ est en nous par le biais du Saint-Esprit. Car inspiré par l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19,
Apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Jésus-Christ n'est pas seulement avec nous. Il n'est pas seulement en nous, mais aussi Jésus-Christ est pour nous. Comment que nous faisons capable de dire que Jésus-Christ est pour nous? Parce que Jésus-Christ est là pour guider nous. Jésus-Christ est là pour nous guérir. Jésus-Christ est là pour entendre nos prières. Jésus-Christ est là pour nous mener vers le Père. Dans Romains chapitre 8, le verset 31, il a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si bon Dieu pour nous-mêmes, qui ça qui est capable contre nous? Pas gain en rien qui est capable contre nous. Mais bien aimé, comprenez bien que dans Josué chapitre 5, dans Josué, là que Josué t'a pas la bataille, nous voyons que un homme qui déparait devant Josué dans Josué chapitre 5, le verset 13. Nous voyons que Josué pas reconnaître non, non. Josué dit, est-ce qu'on pour nous? Ou bien est-ce qu'on contre nous? Et il est fini après ça, nous voyons que non, non, répond Josué. Il dit Josué comme ça que, ou pas comment ça passe, en tout premier lieu, quand on campe à ce côté qui sait, retirez souliers. Parce que ou devant majesté, ou devant monde qui plus puissant passer, ou retirez souliers. Là que Josué finit retirer souliers, c'est ici qu'on a un homme qui dit comme ça que, je suis. Il dit, je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Frère, Dieu est pour nous. Ça veut dire que là que bon Dieu pour nous, mais bien aimé, ça veut dire que pas grand rien qui a passé, là que non bon Dieu dans la vie où que bon Dieu lui-même n'est pas au courant de lui-même. Tracas, tribulation, déchargé, maladie, n'importe quoi qui capable d'arriver. Si Dieu est avec nous dans Emmanuel, si Dieu est en nous, et si Dieu est pour nous, qui ça que nous gagne pour nous peur? Nous ne pouvons rien pour nous peur. Parce que non, même Romains chapitre 8 là, puis devant l'apôtre Paul va dire ça que qui ça qui est capable de séparer de cet amour manifesté en Jésus-Christ? Parce que pour l'apôtre Paul, il va nous lisse. La balle dressée lisse là. Pour la dire, est-ce que c'est la mort, est-ce que c'est le péril, ou bien est-ce que c'est l'épée, ou bien est-ce que c'est la fin? Et finir à la fin, l'apôtre Paul a dit que ça que nul, en yin en bagage sa yo, pas qu'à séparer nous de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça veut dire que l'est que vous-même ou en Christ, l'est que vous-même, Christ pour vous-même, l'est que Christ habite dans vous-même, pas grand rien pour peur, parce que Christ la vive dans vous-même, pas grand rien. Qui pour venir, qui pour faire peur dans le monde. On vit dans un monde où parfois nous ne savons que faire. Comment comprendre dans la semaine ça? Il y a un mort qui frappe moi. L'un mort toujours frappé. Mais il y a un mort qui frappe moi. C'est du fait qu'on juge qui était Kali, qui était madame, qui était petite, là elle travaille. Il est fini après ça, juge la mourir des benchlans. Juge la mourir des benchlans. Et qui monde qui touille juge là? Un shérif qui est responsable pour bail sécurité dans la chambre. Un shérif, ça passe à Kentucky. Elle dit, dans un monde de sécurité comme ça, nous enlevons là le travail. Les filles après ça, on a des ambulances qui prennent l'homme pour traîner dans la morgue. C'est là que nous n'avons pas comprendre. Bien avant, là que Romain était venu avec expression ça, homo humani lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Nous sommes loups pour l'homme sans Christ, mes bien-aimés. Nous sommes loués.
Elle dit, ou prêt pour dévorer, ou prêt pour manger. Et qui monde qui est responsable de sécurité juge là, c'est le shérif là. Le shérif là râle les amis, les crible, même l'hôpital n'est pas allé. Il n'est pas arrivé. Mais dans le monde que nous vivons là. Après ça, je me dis, mais ça, bon, au fin de faire ça, pour que ce soit pas tout ou été, tout fin à ça. J'ai le bien cherché, les quitter pour venir arrêter, pour y mener dans la prison. Pour aller manger l'argent de taxe nous. C'est dans ce monde de sécurité que nous vivons. Et sécurité aller de tous côtés. C'est ça qui fait que mes bien-aimés, avant qu'on aille pour y aller, on va aller travailler pour y aller. On ne peut pas ça qui a passé. On va aller dans le bus, on va aller ça qui a passé. On va aller dans la classe, on va aller ça qui a passé. Avant que vous retourne, you don't know. C'est la raison pour laquelle, matin, un frère n'a dit où. Il y a l'autre chemin encore. Mais on est, d'après qui lit vous lit, ou bien d'après qui récit qu'on a dans la main, there is no other way. Et pour terminer, sans le chemin, mes bien-aimés, on n'ira nulle part. Nous n'avons pas le pied ce côté. Sans la vérité, nous ne connaissons rien. Et sans la vie, nous tous n'est à mourir. Parce que, raison, hein, parce que Jésus-Christ est le chemin vers le Père. Jésus-Christ est la vie dans le Père. Et Jésus-Christ est la vérité venant du Père. Ça veut dire qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucun chemin à y aller. Ou même Matthieu qui a cherché un autre chemin. A dit au carré barré, there is no alternative. Ou même qui pensait que les autres, yo même, yo va compter tout, ou bien yo va la donner tout. A dit au matin, there is no alternative. Ou même qui croit que nous tous êtes ces mêmes. Parce que les qu'il y a parlé de maison de religieux, yo mettait tout le monde dans un seul sac. Yo mette en synagogue yo, yo mette l'église yo, yo mette en côté que moslem yo réuni yo, mosquée yo, yo mette toute l'église yo ensemble. A dit que, ok, we are all the same. Ou même qui croit que nous tous n'êtes les mêmes. Matin, n'a dit ou que there is no alternative. Conseil là-bas au matin, c'est seulement croyez donc en Jésus-Christ, car il est le seul Dieu exclusif dans un monde inclusif. Que mon Dieu capable de payer au matin. Amen.